Si est-ce un nouvel anniversaire loin de la famille royale que va passer le petit Archie. Jeudi 6 mai, le fils de Meghan Markle et du prince Harry fête ses 2 ans, et ce à Los Angeles où il vit désormais avec ses parents depuis leur départ du Royaume-Uni en 2020. Et tandis qu'il n'a pas vu les Windsor depuis maintenant plusieurs mois, étant donné qu'il n'est pas revenu depuis le départ du couple pour le Canada fin 2019, ceux-ci n'ont tout de même pas manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire, à travers un message discret posté sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons à Archie Mountbatten Windsor un joyeux deuxième anniversaire, peut-on ainsi lire sur le compte Twitter de la famille royale, en légende du tout premier cliché pris du petit garçon quelques jours après sa naissance, lorsque ses parents l'ont présenté au monde entier depuis le château de Windsor. Un choix de photo toutefois très étonnant, puisque celle-ci date d'il y a déjà quelques années et que le petit garçon a sans aucun doute bien grandi depuis. Il faut dire qu'à cause des tensions qui animent les relations de Meghan Markle, qui va publier prochainement son premier livre, et du prince Harry avec la famille royale depuis plusieurs mois, il est peut-être devenu difficile pour Elizabeth II de renouveler son album photo. Un appel Zoom avec Elizabeth II pour les 2 ans d'Archie ? Malgré tout, si elle ne peut pas voir son arrière-petit-fils en raison de la distance qui les sépare, Elizabeth II tient absolument à garder le contact avec Archie, avec qui elle parle régulièrement via Zoom. D'ailleurs pour ses 2 ans, Meghan Markle et le prince Harry comptent bien lui organiser un petit appel à la reine. Il est très probable qu'il entre en contact avec la reine pour organiser un appel Zoom entre elle et Archie, a déclaré Ingrid Seward, qui précise que pour le couple Sussex, il est très important qu'Archie connaisse son arrière-grand-mère installée au Royaume-Uni.